estadounidense, como usted lo ha dicho y lo que ha dicho es muy acertado, muchos poemas giran en torno a ese fenómeno. Incluso cuando hablo de la mujer africana, de la madre, se ve que ahí aparecen cosas en relación con la inmigración. Porque no se puede hablar de la inmigración sin hablar de la mujer. Porque la mujer es la que pare a los chicos que cogen los cabucos para ir a Canarias o a España. Entonces, quise, digamos, rastrear un poco amplio y incluir todo el material digamos, relacionarlo con el tema principal que es la inmigración. Es así, ¿no? Donc aujourd'hui, l'Aula Cervantes, qui est le centre culturel espagnol de Dakar, a le plaisir et l'honneur d'accueillir à nouveau pour la deuxième année le SILA, qui est le Salon international du livre africain, une initiative promue depuis des années par le gouvernement des îles Canaries, qui en cette édition 2013 a comme pays invité le Cap Vert. Mais aujourd'hui, à l'occasion de cette initiative, on accueille à l'Aula Cervantes l'écrivain et professeur d'espagnol Gustave Voltaire-Diussé, professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour présenter son ouvrage écrit en espagnol, dont le titre c'est « Vidas trastornadas », et qui a été édité par la maison d'édition IDEA en Espagne. Donc il est un événement important, il est un plaisir aussi de compter sur lui au Cervantes, en tant que Sénégalais qui écrit des poèmes en espagnol et qui ont été édités en Espagne. Il faut signaler aussi que cet auteur, Gustave Voltaire-Diussé, lorsqu'il devient poète, il s'appelle Sun Chu, il vient de Casamance et il collabore beaucoup avec les universités en îles Canaries, aux îles Canaries, notamment l'université de La Laguna à Tenerife. Donc aujourd'hui on présente son ouvrage et bon, on est accompagné d'une cinquantaine de publics, parmi eux les étudiants d'espagnol de l'UCAD, qui accueille le Cervantes à son tour, aussi le professeur Tapsir Ba, ainsi que d'autres illustres invités qui nous accompagnent pour la présentation de cet ouvrage. Il y a une relation, parce que notre barca, esto traduce un poco la unión, ¿no? El estar juntos, ¿no? Si estamos juntos para que la unión no se rompa, hace falta que la gente intercambie, ¿no? El intercambio viene significando más o menos el llevarse bien, el entenderse, el charlar, el intercambiar pareceres, etcétera, etcétera. Entonces, si la unión se mantiene porque hay cohesión, porque hay intercambio, obviamente cada uno vivirá más o menos feliz, ¿no? Creo yo. Porque la unión hará que haya paz, y cuando hay paz, hay felicidad, creo yo, ¿no? Es la relación que yo podría resaltar entre estos tres textos. A lo mejor tú ves otra cosa más o no sé.